Au cœur de la Médina d'Essaouira, vers l'ancien quartier des Juifs, j'ai rendez-vous avec un artiste local qui fabrique des objets artistiques avec des matériaux de récupération, un bon moyen d'éviter le gaspillage et de joindre l'esthétisme de son art au service des figurines détournées de leur destination d'origine, tout un concept pour cet artisan marocain. Ce que je suis en train de faire maintenant, c'est faire les femmes, on peut dire marocains, qui se guisent à la tissu qui s'appelle le haïk. Alors voilà, mon idée, ça se vient quand j'étais en train de chercher comment je puisse réaliser la femme. Et d'après mon recherche, j'ai trouvé qu'avec les galets, ça peut sortir. Avant de trouver les carrelages, comme ça, avant, j'ai trouvé que les galets, elles ont cette forme de la femme qui se guise en tissu de haïk. Comme ça, et voilà, ça sortait bien et je l'aime beaucoup. Je travaille souvent avec, pareil comme ça. Et après, quand j'étais là-bas où je ramasse mes galets, j'ai trouvé aussi les carrelages pour des maisons anciennes. Alors les maisons anciennes ici à Essaouira, et surtout il y a un quartier là où il y a des maisons qui tombent souvent comme ça, ou démolies. Alors il y en a qui portent ces gravats et le mettent à la mer. Mmh. Et à la mer ça sculpte et ça donne une forme naturelle, comme ça. Pareil ce que j'ai là. Alors c'est comme ça, ça donne une forme très très jolie. Et surtout, il faut savoir que ce genre de carrelage, et ils ont des histoires de maisons qui sont faites depuis, je ne sais pas exactement, mais depuis des années, comme ça. Ouais. Alors ça aussi, ça donne vraiment une histoire pour cette maison, ou bien pour cette ville, d'Essaouira aussi. Je suis dans la ville ancienne, à la centre de Médina, ouais, on peut dire. Bah alors là, l'endroit il s'appelle le, comment dire, Vertra. Ouais. Le quartier ici s'appelle Zawiyat Moulay Abd Qadr. C'est à côté de la mosquée ici, il s'appelle Zawiya. Ah voilà, à côté de la mosquée. À côté de la mosquée. Alors c'est mosquée et Zawiya aussi. Bon. Alors voilà, je suis juste à côté. Et le chemin où il va vers le quartier du Juif. Oui. Le quartier du Juif, là où ils font de... Bah, là-bas, il y a deux synagogues, mm-hmm, anciens aussi. J'ai fait aussi quelque chose dans la synagogue, de la décoration, de leur décoration là-bas. Ça a été ancien. Et moi, j'ai décoré, ils ont des motifs comme ça, qui sont partis. Mais moi, je l'ai renouvelé comme ça, pour que ce sera vivant encore. Ok. Voilà. Bon, ben, on mettra ton lien, et merci à toi. Merci à vous aussi. Je vais prendre un peu les prises de vie. Voilà, merci beaucoup.